Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui je vous présente une décision rendue par la Cour de cassation et sa première chambre civile le 7 février 2018, décision qui s'intéresse au droit international privé et plus particulièrement à l'interprétation de la loi étrangère par le juge français. En l'espèce, une Française et un Américain se sont mariés aux États-Unis en 1992. Ils avaient signé un contrat de mariage dans lequel... Il prévoyait que les biens immobiliers de l'épouse étaient des biens propres. Leur divorce a été prononcé en France, mais des difficultés sont apparues concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d'appel de Riom, dans une décision du 20 janvier 2015, a estimé que la loi du nouveau mixing était applicable, qu'un contrat prénuptial avait été valablement conclu entre les époux, ce contrat prévoyant que l'épouse restait seule propriétaire des biens immobiliers et la Cour d'appel a également retenu une récompense due par celle ci à la communauté. Contestant cette interprétation, l'épouse a formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation était celle des sources à retenir pour l'interprétation du droit étranger c'est un arrêt de rejet, donc nous disposons des moyens du pourvoi. L'épouse reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le régime matrimonial applicable était communautaire, sauf pour les biens immobiliers, et elle reproche aussi à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle devait une récompense à la communauté pour l'argent versé par son mari pour payer des travaux et un prêt immobilier d'un des biens qu'elle avait acquis. Elle estime tout d'abord que, dans les deux premières branches de son moyen, les juges ont mal interprété les dispositions contenues dans son contrat de mariage et donc qu'ils ont dénaturé la loi de l'État du Nouveau-Mexique, des États-Unis d'Amérique, qui était applicable au litige. Les juges auraient donc violé, selon le moyen, les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer le droit étranger. Dans la troisième branche de son moyen, elle estime que les juges n'ont pas pris en compte, dans leur interprétation du droit applicable, la consultation d'un expert du Nouveau-Mexique. La Cour de cassation constate que la Cour d'appel de Riome a constaté que les parties avaient conclu un contrat de mariage afin que ne leur soit pas appliqué le régime matrimonial de base qui était prévu par la loi de l'État du Nouveau-Mexique. Loi qui pas, dont l'application n'est pas contestée. Ils ont souhaité que le mari n'ait aucun droit sur les biens immobiliers présents et futurs de l'épouse, mais ils n'avaient prévu aucune disposition relative aux biens immobiliers du mari ainsi qu'aux biens mobiliers de chacun d'entre eux. Tous ces biens sont donc soumis au régime de la communauté et il est prévu que la communauté a le droit à réparation lorsque la valeur d'un bien propre augmente grâce au travail ou à l'argent de la communauté. La Cour de cassation note aussi, pour rejeter le moyen, que la Cour d'appel a interprété la convention matrimoniale dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, ce qui exclut toute dénotération, et que la Cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, fait application du droit étranger, donc dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors de toute dénaturation elle a recherché la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'état concerné donc la cour de cassation note que la cour d'appel avait pu écarter un moyen de preuve qu'elle estimait non, de preuve du droit étranger qu'elle n'estimait pas pertinent et qu'il n'y avait pas dénaturation voici pour cette présentation de cette décision de justice rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 février 2018. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et notamment les présentations de décisions de justice récentes donc de l'année et euh, en particulier en droit international privé et en procédure civile. Je vous rappelle mes coordonnées.